Bonsoir, une bulletin nouvelle pour samedi 21 mars. Ça nous voit un peu principal sa bulletin pour commencer. La bulletin tantôt, dans sa case d'armes et prévention terrorisme, Laura Valabji, qui deuxième accusé, il retient des mondes pour gagner la caution pour le moment en attendant une décision ZIZ vendredi. Kaki Ombudsman, l'association avocat et commission droit humain, il a mené contre 10e amendement constitution et aussi passe en cours aujourd'hui. Tribunal d'emploi condamne Percy Bido à un amende 6 000 roupies en tout et 6 mois prison pour l'offense contre pan pays sur bon travail étranger. Aussi dans le bulletin, Fonds monétaire international et le président Riverum Kalawanazou, le bon négociation qui n'en a, entre l'institution et le gouvernement, l'implémentation des nouveaux programmes économiques. Les 24 artistes de la francophonie ici et à l'étranger ont été présentés dans l'exhibition là à côté Alliance française. On nous voit bon, sa bilité en détail à présent. Bon, car sa coupe Valabji, Mokesh et Clora, il domine bonne session la coupe au matin devant la Cour suprême. Deuxième accusé dans le cas ZAM et prévention terrorisme, Laura Valabji, il retient des mondes pour gagner la guerre de caution pour le moment. Dans le cadre de la Cour suprême devant Sefziz Govinden, tient en nouveau l'application Madame Valabji pour gagner la caution qui a été faite deux semaines passées et qui Sefziz est supposé écouter aujourd'hui. Ça y est en ligne avec la condition de la santé de son maman qui dit qu'il n'est pas en bon état. Mais il a aussi fait une demande pour qui Sefziz y sorti comme un Ziz qui peut écouter ses affaires. Et bon matin, Sefziz Govinden dit qu'il est fait qu'il a demandé pour sortir comme un Ziz dans sa cas, il n'est pas capable d'écouter sa demande pour gagner la caution jusqu'à qu'il y ait un zizement de sa demande pour lui sortir comme un Ziz dans sa cas. Suivant ça, Mme Valabji, il retire son application pour caution jusqu'à qu'il y ait un zizement qui est expecté ce vendredi. Toujours en cours, mais devant la Cour constitutionnelle, parmi Bankai, nous sommes pour sa coupe Valabji. Nous rappelons que sa coupe peut contester l'égalité Bansaz contre les autres et aussi l'égalité de détention. Et alors, la Cour peut écouter les autres l'objection le 16 mai. En question, dans sa coupe Valabji, nous avons demandé parmi les trois Ziz la Cour constitutionnelle pour sortir comme un Ziz qui peut écouter sa carte, mais c'est Ziz inordonné qui est resté. Sa coupe peut contester l'égalité de Bansaz contre les autres et aussi l'égalité des autres détentions. Innocent dans sa cas, au Ombudsman, l'association avocat et commission droit humain qui peut questionner l'égalité 10e amendement constitution pays qui permet de la force défense travail avec la police. Avocat qui peut représenter sa entité, il fait l'insoumission en réponse pour une objection bureau d'attorney général. Sa l'objection lui-même, il compte demande sa bonne entité pour qu'il Bansaz y sorte comme Bansaz dans sa cas. La Cour pour quotidien écoute sa cas le 9 mai. Et finalement, le cas US contre la République ASBC concernant papa sur conférence la presse en direct, c'est bon matin qu'avocat US soumet son réponse pour l'application de la République qui sa cas y gagne retiré. La Cour y donne jusqu'à le 16 mai pour bureau attorney général analyse et répondre sa cas. Tribunal d'emploi condamne Percy Dani Vido à l'amende 6 000 roupies en tout et 6 mois prison pour l'offense contre le pays 4 travailleurs étrangers. Ça, après que le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales a mené 4 contre lui en 2021 à cause de droit 4 travailleurs étrangers, ça qu'en 107 761 roupies et aussi les faits qui n'est pas capable d'amener bon document nécessaire qui dépend de l'emploi si il demande pour amener. Ça a fait tirer son coup et écouter les 6 Zilliet et 24 août 2021 côté Percy Vidot, tu peux faire face avec de l'offense. Ça c'est pour pas fournir bon document ou bien fournir l'information que le département de l'emploi te demande pour soumettre et la liste tout ce bon travailleur, un copie de contrat qu'il signe et attesté par le département de l'emploi pour tout ce bon travailleur étranger et la preuve pour paiement de salaire pour octobre 2019 jusqu'à octobre 2020. Le 7 septembre 2021, la Cour te donne l'ordre que M. Vido te paye une amende 3 000 roupies, qui si pas payé jusqu'à le 30 septembre 2021, il pourra y arrêter et faire 3 mois de prison. Pour deuxième l'offense que tu ne payes pas sur un travail étranger pour période 2019 jusqu'à 2020, la Cour te donne l'ordre pour lui payer une amende 3 000 roupies, et ça, jusqu'à le 7 octobre 2021.
En plus que ça, le tribunal de l'emploi tient l'ordre pour lui payer son 4 travail étranger, chacun 107 761 roupies, 81 sous. Et s'il n'a pas fait ça jusqu'à le 7 juin 2022, il pourrait arrêter et faire 6 mois de prison. D'après l'information sortie au département de l'emploi, M. Vido Pan suit sa loi de la cour et alors s'il a arrêté et gagne prison hein, pour 6 mois. SBC n'a pas dit qu'il y a des gens qui ont arrêté en connexion avec le trafic humain. Ça dit des gens qui ont en connexion avec un accompagnant qui peut employer le travail étranger, qui donne son reportage et de nouvelles. SBC qui cause avec certains sabants de travail étranger qui s'y amène à côté de la police et l'emploi concernant mauvais traitement et côté d'autres aussi pas payé. Payer. Il a la police et confirmé que l'enquête a commencé contre 5 hommes suspects qui ont arrêté hier lundi le 20 mars en relation avec l'offense trafic humain suivant cette vidéo qui typifie qu'il est au réseau social tout dernièrement. D'après un communiqué de la police, tous les 5 suspects passent à travers cette procédure d'enquête après avoir gagné la guerre que vous expectez par son cours plus tard. Le judiciaire indique qu'il saisit 31 différents outils ou bien armes fitées depuis réouverti la cour vers milliers janvier salonnais. Le judiciaire une condamnation contre bon individu qui masse avec et aussi service outils. La judiciaire peut demander des gens pour respecter bon la loi et la règle en place dans le pays, surtout contre bon bâtiment la cour. Ça y est tout bon facilité judiciaire, l'omae, pralin et la digue, même contre bon la caisse qui recevoir un paiement à l'imoni. Le judiciaire dit qu'il strictement interdit en outils dans ou possession dans aucun bâtiment la cour et qui aucun dimon qui gagne voix avec un outil ou soit zame pas pour gagner accès avec ça l'endroit. Ministre pour la santé Peggy Bido dit qu'ils ont un département ressources humaines payé dans cas que certains officiers de la santé pas encore une promotion même s'ils ont un travail plus le temps qui demandé d'après ce qui m'en service ministre Bido peut répondre à une question leader de l'opposition à l'Assemblée nationale bon matin le problème que ministre de la santé peut gagner pour implémenter ce qui m'en service pour docteur et dentiste là indique qu'il y en a certaines conditions qui s'abandonnent professionnels de la santé besoin satisfait pour capable gagner promotion mais dans beaucoup cas ont une voie défi pour implémenter scheme ça surtout quand il concerne évaluation travailler scheme of service actuel pour bon docteur et dentiste en force depuis période 2019-2020 et yana qui est gagné formé après discussion avec tout parti concerné sa scheme est guide ministère de la santé la façon idéale pour bon professionnel de la santé progresser dans notre carrière conditions pour ben docteur et dentiste progresser justement et ce qui ça dit mon besoin de servir un certain quantité l'année passe à travers évaluation par son supérieur son évaluation et besoin un qui bon son supérieur pour aussi besoin faire une recommandation pour son promotion en plus qui ça a besoin d'un poste pour sa grade dans qui sa docteur soit dentiste pour bouse là-dedans pour cette position ça dit mon pour besoin d'un bagage spécifique code là parfois l'étude additionnelle est nécessaire l'état espère répondre question dirigeant l'opposition devant l'Assemblée nationale pour matin ministre pour la santé Peggy Vidot indique que si tout sa condition il gagne soin ministère de la santé n'a pas aucune difficulté pour implémenter scheme of service il fait sortie qui dans cette situation c'est une voie défi pour implémenter scheme si tout côté concerne évaluation travailler situation qui nous voit un cli et se payer pas faire cette évaluation qui nécessaire les temps qu'il faudrait s'employer pas tout insister lui-même pour lui gagner évaluer les temps qu'il faudrait et aussitôt qui ressources humaines il remarque sa situation et situation est comme ça ils ont tout le temps insisté que l'évaluation est faite. Un employeur n'a pas gagné une bonne évaluation avec son supérieur. Il y a l'autre exemple. Un supérieur qui évalue un employeur, il donne une bonne évaluation, mais il n'a pas fait une recommandation pour une promotion. Les temps de recommandation pour promotion y arrive dans la section ressources humaines. Bidzen finit fait et provision. Pour faire pour promotion sa employé en particulier. Nous aussi en un cas côté employé il y a une promotion mais il pas besoin tout bon critère ou bien condition pour sa promotion qui lie
et tu as souhaité gagner. Ministre Vidot en fait sortie qui, dans certaines circonstances, n'a pas aucune promotion pour raison budgétaire nationale. Quand le ministère a besoin d'Asie en conformité avec décision nationale. Là, il fait rappel qui, pendant sa bandeigne, le temps, il en impose la révision tout ce qui m'offre service d'un gouvernement. Dans qui délai le temps que le ministère pour capable retourner contre l'Assemblée et dire avec nous qu'ils ont une commence travail, l'eau, un plan progression qu'elle va faire qui bande différents cadres qui trouvent ambassade skim bande spécialiste ou bien bande docteur y va appeler bouse accordingly le sa skim nous comprend pour dire il y en a un travail qui peut gagner faire déjà dans le gouvernement en entier et quelquefois ça pour affecter un peu sa quantité skim qui en a alors pour nous nous parlons les nécessaires right now pour nous faire un travail compréhensible l'auto scheme après s'il y en a un peu scheme qui peut gagner mettre ensemble nous peut attendre et voir et tout ça travail à gagner faire mais si dans l'application scheme of service pour docteur et dentiste qui nous sentit pour dire nous pas capable faire promotion progression à cause nous finances, oui, mon père est pour le code finance pour demander l'argent en plus. Ministre Vidot indique qu'en ce moment, le département ressources humaines peut dans le cas que certains officiers de la santé pour qu'on gagne promotion, même si ils travaillent plus le temps qu'ils demandent d'après ce qu'ils m'offrent service. Et ils peuvent travailler pour rectifier ça avant zin. Indique qu'ils ont tout de même fait mieux pour adresser toute sa bonne qualité de filles d'une façon qui existe et qui est équitable pour que tout bonne partie concernée est satisfait. Et ministre Vidot a aussi éclairé sur la situation ce qui concerne ben l'appointement pour faire ultrasound le pralin qui n'a arrêté pour le moment. Il dit que depuis le 15 février jusqu'à là, la quantité radiologue qui en a une réduit sorti 7 pour 24 à cause certains autres sont contrat infini et sont remplacements pas encore arrivés. Il dit qu'entre-temps, sa service peut offrir pour l'hôpital Cécile jusqu'à qui radiologue ou bien technicien qui fait ultrasound y arrive. Pour le moment, il y en a 88 patients au pralin et 15 au ladig qui besoin ultrasound. Patients pralin que ladig qui besoin faire ultrasound, peut gagner sa service côté l'hôpital Cécile, si ça y est. Dès qu'il nous gagne plus radiologue, nous pour recommencer réoffrir sa service pralin pareil qui était avant. Moi tiens content souligner pour dire ultrasound le bon madame qui en a un problème gynécologie ou sinon une raison obstétrique, ça peut continuer à faire pareil qu'il fait auparavant. Remplaçant pour des postes radiologues pour arriver mois prochain. Parfois, il y en a quelque chose qui n'est pas dans nos contrôles. Par exemple, l'État nous peut gagner corporant, nous dépend un peu de sa partenaire pour lui envoyer son dimon, même si nous connaissons pour dire tous les deux côtés connaissent qui date, mais nous pas capables de contrôler trop ça quand ils ont décidé d'envoyer. Pour l'information, nous avons déjà fait toute discussion, tout bon processus pour nous capables d'employer un radiologue que tu pour arriver ici. Mais malheureusement, ça dit monde, il décline son prend sa position vraiment à la last minute. Nous expectons lui par exemple last week et il décline last week. Encore, il y a quelque chose qui n'est pas dans nos contrôles. Et avant session, tu commençais bon matin, des membres qui font une déclaration en français à l'occasion de la fête de la francophonie qui lançait hier. Emeni Poglo, Egbert Aglaé, tu remercies tout bon enseignant et bonne institution qui peut travailler pour garder la langue française vivant. Et de son côté, Emeni Cascade Philippe Ponty, tu saisis ça à l'occasion pour encourager ses lois pour cause plus français. Nous savons très bien que la pratique de la langue française a considérablement réduit au fil des années parmi la population séchelloise. Je vais alors, Monsieur le Président, saisir l'occasion pour encourager les Séchellois à pratiquer davantage
cette plus belle langue du monde que nous avons eu la chance de l'avoir en tant que, qu'une de nos langues officielles. L'erreur est humaine, c'est ne qu'en commettant des erreurs que nous allons progresser. Je profite de ce moment pour remercier tous nos professeurs de française pour leurs efforts continus pour enseigner la langue française et les meilleures pratiques à nos jeunes générations. Nous apprécions également l'effort que toutes les institutions visant à promouvoir la langue française, que ce soit par la théorie, la culture, les événements culturels et par l'écriture, comme dans les chansons, les poèmes et d'autres activités artistiques françaises. Nous plaçons la diversité des cultures francophones au cœur de la célébration. Écoutons, regardons, téléchargeons, découvrons, chantons, dansons au tempo et au rythme des imaginaires francophones qui sont d'une richesse inépuisable. Speaker de l'Assemblée nationale, Roger Mancienne, il a adressé un point qui est levé dans la session vendredi passé pour clarifier bon la règle de l'Assemblée et justifier son décision, le bon procédure. Pour les noter que la session vendredi passé continue dans l'absence de membres US après qu'ils ont quitté la salle bien bonne. Des accords levés vendredi, l'étant Speaker Mancienne a dit et pour lui un droit à réponse sorti contre le ministère de l'Éducation, l'eau certaine information qu'un membre US a dit dans son réponse le SONA. Dirigeant l'opposition Sébastien Pilet t'y a objecté à cause de ce que Speaker t'y a dit, pensé qu'il est avec mon membre. Document qui est ici qu'il est avec l'Assemblée, personne ne pense ça document. Oui. Ce qui est, nous l'Assemblée, nous avons un document qui personne ne pense rien, mais où on a un document qui a signé un papier ce matin à l'antenne. Oui. Ça qui est devant nous, il paraît que moi, il est anonyme à cause de personne qui ne signe. Non. Et l'Assemblée n'est pas supposée pédil avec un lettre anonyme. Là, il y a un document qui m'a dit là, il y a un statement par le ministère de l'Éducation, il n'y a pas right of reply. Merci. This is not what the paper is written on, Mr. Speaker. Merci. This is not a right of reply. Merci, on n'a pas dit avec l'état anonyme de l'Assemblée nationale. Moi, si le right of reply, nous avons gagné, qui finit écrit, Mr. Speaker. Oh, mon frère, mon bureau. Informe autres pour dire un statement pas acceptable comme un right of reply. Un reply, il a besoin de sortir contre des gens qui ont grieved. P.S. Mena et Lantin, il fait un reply dans son nom. Speaker, tu tout de même dit, il y a lui, ça doit réponse et après, il y a ce qu'il s'allait. Et M. Pilet, tu continues, exprime son objection. Un viol nous privilège comme membre de l'Assemblée aujourd'hui, bon matin de l'Assemblée. Merci. Et nous ne pensons jamais gagner sa right of reply devant nous. Ce que nous faisons aujourd'hui pour matin, nous allons immédiatement écrire ça avec PF à cause de ça, un comportement qui montrait pour dire ou pas fit to be the chairman of SADC PF, Mr. Speaker. Un autre sujet de contention tient motion isant par M. Pilet, l'OLA Sécurité sociale, qui décision une prend pour envoyer pour semaine de travail les 28 et 29 samouan. Qui M. Pilet il exprime son mécontentement. Mais Speaker s'y maintenir son position et US s'y quitte la salle. Il y a dit que je prends 63 ans demain. Et je ne pas pour gagner la sécurité sociale à cause de ça qui est sorti. Là, nous discutons avec le gouvernement dans l'Assemblée. Le gouvernement n'a pas dit nous. Qui se propose l'amendement de la sécurité sociale. Tu n'as pas aucun commitment ferme qui tu gagne faire avec l'Assemblée. L'assise. C'est alors que mon homme voit un urgent motion pour s'assiser. Nous pour continuer avec procédure pareil une annoncé. Et bon matin, Speaker Mancienne, si premièrement adresse assiser droit à réponse et motion isant. N'a pas non, il y a dans la Constitution qui dit, pour dire, ça qui, ça, membre public, il submet en écrit, il devrait dans sa mot reply, là, ou bien qu'il devrait dire, in accordance with article 102.6. Tout ça, là, est formalité. Alors, mon considéré qu'il y a l'objection, qu'il y a l'opposition, qui ça pas si gagne appelé un reply pas valable, l'eau, ça point, qui statement, pas si gagne signé, mon quoi, le problème n'est pas aussi grave qu'il est dans l'opposition, il est fait quoi? À cause de pièce Ilantin. Si identifié son décor clairement dans son email. Bien sûr, il manque un peu de formalité et ça m'a été corrigé par la demande de pièce Ilantin pour mettre son soumission
dans la formulette qui infère. Deuxième point, motion isant. Order 42, il donne speaker, droit déclare une motion comme isant. Et si un membre il est qui sont motion, il est considéré comme isant, il besoin demande permission speaker en priorité avant. Il n'y a pas aucun endroit qui dit qu'il est de l'opposition ou bien aucun autre membre est capable lui-même déclarer son motion comme isant. Il simplement n'a pas un tel privilège qui existait. Et matter of privilege, levé par l'idée de l'opposition, si out of order. On demande l'idée de l'opposition pour étudier plus bien sa bonne l'ordre qui est cité et pour éviter de faire bonne déclaration qui interprète l'ordre dans son façon et qui comprise du monde. Et finalement, une cause de sa situation, côté membre quitte la salle, malgré bonne la règle, pampez autres faits li. Pour membre sorti en protestation, il a accepté en bas de régulation. Mais, ça qui m'en croit, sa standing order, il est vrai aussi, et qui manquait, dit, c'est que sa protestation, il est vrai, justifier. Si membre sorti à cause de décision qui se fait quand il donne, il est vrai, il a une raison valable. Mon quoi, il n'est pas acceptable qu'il m'en mis sorti ou une faux déclaration ou bien zislo un prétexte. Alors, mon vous demande Standing Orders Committee pour régler encore sa order si il pas juste donner l'esquise pour m'en sorti sans raison. L'Assemblée nationale, pour continuer son discussion, le projet de loi, l'amendement de communication demain au matin, sa projet de loi qui nous présenté hier après-midi par vice-président Ahmed Afif, pour moderniser la loi qui n'a pour 23 ans. Ouvert l'office ici Cécile, résout le problème l'encettement parmi Banzen, qui moyait pour aider plus de familles qui pratiquent l'agriculture et qui moyait pour ajouter valeur dans l'industrie tourisme. Ça, c'est Cisé qui est délégation de la Banque mondiale. Il discute avec le président Wiverum Kalawan, de la présence ministre responsable pour finances, Nadi Hassan et gouverneur de la Banque centrale Carolina Bell State House après-midi. Directeur de la Banque mondiale pour Cécile, il dit qu'il bit son visite, c'était pour aider fini sa l'accord partenariat avec le gouvernement et qui moyen pour renforcer les liens entre les autres, l'effet qui ça pour terminer la fin de salonnée. One of the things that I will say that we have also been looking at is quite a lot of the incidences around teenage pregnancies. And as we know, usually teenagers, when they become pregnant, will not necessarily go back to school. And then they are lost from the world, from the workforce completely. So we were looking and seeing what are the kind of policies or even changes that could be made to keep children in school, to entice them to continue to work. So one is making it a point that when children drop out, they can actually go back to school, making it easier for them to go back to school. The other is also, you know, I'm realizing that there's actually quite a bit of a difference between the age of consent, which is 15, and the age of access to contraceptives, which is 18. And this is a gap that frankly will make it exceedingly difficult for Seychelles to manage the issue unless this is brought together in a way that actually follows a lot of the international thinking today, which is children, when they get to the age of puberty, you need to teach them about contraception. They should have access where needed to reduce teenage pregnancies. The other things that we had been asked by His Excellency in the last meeting that we talked about were around agriculture. How do we actually help more backward and forward linkages between the small-scale Seychellois agriculture practicing families with the bigger industry? Can you get more produce which is a little bit more smoother throughout the year, better quality, so it's actually attractive for people to be able to buy in the tourism industry? That's another thing we were looking at. We're also looking at tourism itself. How do we add value in the tourism industry? This is really important. We're looking at fisheries. How do we help to support better fishing, particularly for the lower, the smaller fisheries industry, right?
right? They'll catch 20 kilos. How do you valorize that so that they're not standing by the road for 2 days trying to sell their catch? And then the last exciting thing, which I will say, is that the World Bank is actually quite keen and ready to open an office in Seychelles, and we are looking to start, obviously very small, but it will help us to keep a much smoother dialogue, hear what the Seychelles government would like, hear what the private sector, industry, really open the conversation to all sorts of stakeholders in Seychelles, and then be able to answer in a much more easy and flexible manner. And when is the World Bank planning to open this office? So we are hoping that we can open it certainly before the end of this calendar year. So we are on a good track to opening it, yes. And it will be managed by a Seychellois. We are looking for somebody within the country, and also support that person to actually not only manage the office, but be able to actually eventually have a career that, you know, sort of that brings Seychelles even closer to what we are doing in the bank. Seychelles forme partie ben premier pays pour bénéficier avec programme résilience et soutenabilité qui Fonds monétaire international IMF peut financer sa programme économique qui est pour bi et bon pays établi posé pour lutte contre changement climat. C'est chef mission IMF Calix Ahok aussi qui n'a dit ça avec média après qu'il rende visite courtoisie président Rob Calawan State House bon matin. Ministre pour Finance, Planification Nationale et Commerce, Nadir Hassan, et gouverneur de la Banque Centrale, Caroline Mabel, qui est aussi présent pour sa rencontre. M. Ahok Posi dit que bi sa rencontre, c'est pour mettre le président Calawan à jour le travail qu'il y a que son équipe peut faire ici, Cécile, concernant l'implémentation de sa nouveau programme. We arrived last week at the request of the authorities to negotiate a new economic program with Seychelles. So there are two programs actually. So there is the regular macroeconomic stability program that we call the extended fund facility. And then there is also a new facility that is called the resilience and sustainability fund. That one goes to support climate related effort of government around the world. It's a very new facility. It was launched only last October, and Seychelles was picked as one of the pilot countries, some of the very first countries to benefit from that fund. Based on the track record of the country, Seychelles being really at the forefront of climate actions around the world. Aussi, State House, bon matin, nouveau ambassadeur américain pour Seychelles, Henry Jardine, il présente son bon document d'accréditation avec le président River Rum Calawan. Ça, c'est la présence ministre responsable pour les affaires étrangères, Sylvestre Radigon. En sortant contre le président, ambassadeur Jardine, et aussi le vice-président Ahmed Afif. Ambassadeur Jardine dit qu'il aime son priorité pendant son mandat comme ambassadeur américain pour Seychelles, c'est pour renforcer les relations qu'il a mérité avec Seychelles. Justement, pendant son rencontre avec les deux dirigeants, l'ambassadeur Jardine dit qu'ils ont discuté dans différents domaines qui tous les deux pays, dans qui les deux pays capables de continuer à collaborer. Ça y inclut la sécurité maritime, le développement social, l'économie et la démocratie. In relation to the African Leaders Summit, we are looking at how we can support Seychelles in areas related to the environment, its economic development. We've seen some great initiatives here in Seychelles related to the blue economy and the blue bond, swapping of debt for grants and programs to help improve the maritime environment. So I think there are these kinds of areas that we're going to be pursuing and hopefully linking back to the African Leaders Summit program. This did come up in my conversation with the president. I know the issue of the visa waiver is very important for him, and we are looking at how we can be supportive. As I think you know, there's sort of a series of steps or procedures that have to be put in place. One of them, which is very positive, is now there's a new biometric passport that's been put in place. There's also law enforcement agreements and some other areas that have to be assessed. So again, that's something that's an ongoing process, and we'll see what we can do in regard to that. And I would note that for individuals that have an existing visa that is still valid and seek to renew, they may not have to do an interview. And so we are looking at how we can do interview waivers for those individuals who've had visas, have traveled back and forth, and have had no issues. So again, we do want to look at see how we can provide more flexibility on the visa piece. And certainly I understand that it's an issue that's very near and dear to many Seychellois. Anchor point.
pour capable pour représenter match history à cause la France basically donc pas de découvrir ces choses. So, on fait la question des bleus pour faire des couleurs, avant de couleurs from both flags. Moi juste un qui m'a eu kawa, qui m'a eu mon fait une couleur tomber rouge pour bleu. Ça m'a fait créer un balance qui tout ça là il frame within the milieu. As well qui il tombe comme fait un spiral from là matché. Ça il pour représenter balance and unity. Qui inspire qui peut des images camarades cause shared history comme ça madame lui même lui il représente title of mon travail symphony and a dance qui tout ça bonne couleur il tombe en unity ensemble and lui il tombe dans sa unity raison cause mon voilà une question couleur zone around ça côté qui là il couleur zone il y a couleur qui peut représenter soleil nous tout nous basically the same sun so raison comment c'est bien couleur il pour représente ça qui nous parle tous eux nous tenons nos camarades une épée couleur blanc qui sort en madame qui on sait bien comment un halo effect qui basically pousse sa madame devant qui montre qui pas perdu derrière quelque chose qui tombe des balances des unity including couleur and bungee monastery. Camille Modon est l'autre artiste qui participe dans cette exhibition Côte Pouli son tableau peut représenter Cécile la France et l'humanité. Je ne suis pas francophone, je ne suis pas du monde. Nous sommes nos descendants partout, même la France, sorti là, nous venons de l'Angleterre, nous venons de l'India partout. Nous faisons ce travail pour représenter un peu tout ça. Là. Nous avons plus de couleurs quand nous avons bien Cécile, après nous avons bien la France. Nous avons du monde comme la base pour passer tout ce message. Dans l'expression, dans le look, le blindness, de façon que nous sommes plus africains, nous sommes plus indiens, nous sommes plus européens. On est lycée, on est à fond, on est lycée, on est Ismaël, on est lycée. Il y a du monde qui me connaît, ça. Qui me fait une part. C'est l'exhibition La Francophonie d'ici et d'ailleurs, qui Alliance française inorganisée, peut donner l'opportunité à un artiste cécélois à travers les tableaux et aussi les autres travails là, pour démontrer les autres visions de la francophonie ici et à l'étranger. Ça, à travers Kilti, la musique, la poésie, qui est capable d'amener messages la paix dans le monde, et aussi l'influence qu'il tire la France ici. Nous avons sélectionné des artistes résidents aux Seychelles. Donc tous ne sont pas d'origine seychelloise, mais il y en a certains qui vivent ici depuis très longtemps. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons intitulé Francophonie d'ici et d'ailleurs. Équipe LAN Alliance française pour sa bonne tableau. On va voir pendant ce mois si on va avoir des retours, par exemple, d'autres associations culturelles. Le musée, par exemple, on a déjà fait un partenariat avec eux. On s'est mis d'accord avec les artistes que si certains étaient ouverts à la vente de leur œuvre, on allait pouvoir faire un partenariat, c'est-à-dire les mettre en contact avec les acheteurs potentiels, ceux qui seraient intéressés. Et après, à la fin de l'exposition, si les restes des œuvres qui n'ont pas été soit vendues, soit où l'exposition n'a pas été empruntée par une autre institution, on va sûrement restituer les œuvres aux artistes. Ça, l'exhibition, il tombe de cas d'activité la semaine, la francophonie est ouverte pour le public jusqu'à le 21 avril. Nous rappelons que le programme News Extra aujourd'hui nous pourrons regarder en détail cette sujet qui est d'actualité de sa bonne dernière jour par les Mésil Airport pour opérateur taxi et nettoyage radio. Le lendemain, programme News Extra y passe l'Ouest Missidé, Nevers. Et dans un communiqué qui ne fait qu'envoyer la soirée, le Conseil national musulman informe tout musulman qui ramadan salonné pour commencer après-demain, le 23 mars. Il y a des trois zones depuis qu'il travaille rénovation de stade l'unité de commencer. Ça y inclut retirer sa vessie fast track athlétique et aussi bon travail mazé de gradin. Et à partir du 3 avril, si face artificielle ou la plaine pour aussi gagner retirer et terrain pour gagner préparer pour mettre un nouveau si face sa bon travail pour aller pour sa prochaine 4 mois. Entre temps, bon travail mazé peut aussi continuer le parler des sports. La Conseil national pour sport, NSC, peut travailler ensemble avec l'agence infrastructure Cécile pour assurer que sa bonne rénovation y gagne fait bien. Ça a été annoncé aujourd'hui bon matin dans la conférence la presse qui t'y fait côté bureau NSC. Pour en plus de détails, nous assiser dans nos nouvelles sports. Et bien voilà, c'est là que nous terminons nos bulletins pour la soirée. Merci pour suivre. Bonsoir.